Ephésiens, chapitre 1er, du 24e au 27e verset. Tutasoma mbele katika wa Kolosai sura yake ya kwanza kuanzia kushairi ya makumi mbili na nne paka makumi mbili na saba. Ensuite nous prendrons le deuxième chapitre de Colossiens toujours. Kisha tutachukua sura ya pili ya Kolosai. Et nous lirons le trois premiers versets. Na tutasoma mistari tatu ya mwanzo. Enfin nous lirons Apocalypse 10, le septième verset. Na mwishayo tutasoma Ufunuo sura yake ya kumi shairi ya saba tu. Nous lisons. Tunasoma. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Nafurahi sasa katika maumivu ninayo juu yenu, na kile kilikosa kwa mateso ya Yesu na kimaliza sasa katika mwili wangu, mwili wake yenye kuwa kanisa. Je l'achève à ma chair. Naimaliza katika mwili yangu. Pour son corps qui est l'Église. Njia mwili wake yenye kuwa kanisa. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Ni kwa hayo njo nalitiliwa mtumishi ili nitimize mapasho ninayo njia Mungu njia kuhubiri injili yake. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses saints. Siri yenye kufichwa ya miakati yote na vizazi vyote lakini yenye kufunuliwa kwa watakatifu. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mungu alipenda kuwajulisha hii siri ya utukufu ya utajiri ya kujua Kristo ndani yenu ni utumaini ya utukufu. Deuxième chapitre, Colossiens chapitre 2. Wa Kolosai sura yake ya pili. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le grand combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Napenda hivi mjue ngapi ni kubwa vita ninapikana kwa ajili yenu. Kwa nini wenye kuwa hapa na wenye kuwa kulaudikia na wale wote awakone uso wangu katika mwili. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Ili wawe na mioyo yenye kujazwa tele na faraja. Qu'ils soient unis dans l'amour. Waunganishwe katika mapendo. Et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Na watajirishe na kufamu muutele ya kujua siri kubwa ya Mungu, kujua Kristu. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse siri et de ambamo, la connaissance. Ndani mwayo mumefichwa maikiba yote ya ikima na kufamu. Amen. Amina. Amen. Amina. Apocalypse 17. Ufunuo sura yake ya kumi, mstari wa saba. Nous lisons. Tunasoma. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lakini mumasiku ya sauti ya malaika wa saba, quand il sonnerait de la trompette, wakati atapika parapanda yake, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé. Siri ya Mungu itatimilika kama jinsi alitangazia watumishi wake wanabii. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bwana Yesu abariki neno lake. Avec ce passage, na haya maandiko, nous continuons avec notre étude. Tukunendelea na majifunzo yetu. Et nous disions avec ce passage, nous sommes en train d'étudier le grand mystère de Dieu. Tulikuwa nawaambia kama na haya maandiko tukunenda na kufunza siri kubwa ya Mungu. A savoir Christ. Kumujua Kristu. Christ. Kristu. Et le mystère de Dieu révélé. Kristu ndiye siri ya Mungu yenye kufunuliwa. C'est notre thème. Njoo tema yetu. Et le sujet. Na ajili. Nous parlons de la prééminence de Christ dans son église. Tukunasema njia utawalo wa Kristu ndani ya kanisa lake. La prééminence de Christ
dans son église. Utawalo wa Kristo ndani ya kanisa lake. Ou la divinité restaurée à l'homme. Wala umungu wenye kurudishia mutu. Comme nous l'avons déjà vu. Jinsi tuliona. Nous avons vu que bien avant la fondation du monde, tuliona ya kama kabla ya ulimwengu kuwa, Dieu avait un grand mystère caché. Mungu alikuwa na siri kubwa yenye kufichwa. Et les jours que frère Barama prêchait ce message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Na siku ndugu Branama alihubiri hii ujumbe, Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Il avait fait cette déclaration. Alifanyaka hii luku. Je vais la lire directement. Ntaisoma mara moja. Il avait dit ceci. Alisemaka hivi. Au paragraphe 105. Il dit, kujifungo 105 anasema, alors Dieu avait un dessein et un mystère caché. Sasa Mungu alikuwa na kusudi na siri yenye kufichwa. Et c'est de cela que je veux parler à l'église. Na ninjia ile napenda kuambia sasa kanisa. C'est de cela que je veux parler à l'église ce matin. Ni ile napenda kuambia kanisa hii asubuhi. Du mystère caché de Dieu. Kuwasemezea kuhusu siri yenye kufichwa ya Mungu. Il avait dans sa pensée. Yenyewe alikuwa nayo katika fikara yake. Deux avant le commencement du monde. Kule kabla ya misingi ya ulimwengu kuwa. Et comment cela s'est dévoilé au fil du temps. Na namuna ile ikadifunua mnyenda vizazi. Jusqu'à cette heure présente où nous vivons. Paka na mui wakati ambamo tukunaishi. Donc, comme nous vivons au jour de la voix du septième ange. Yani, jinsi tukunaishi mumasiku ya sauti ya malaika wa saba. La Bible dit dans Apocalypse 17. Biblia inasema katika ufunuo sura yake ya 10 mstari wa 7. Jour de la voix du septième ange. Mumasiku ya sauti ya malaika wa saba. Quand il sonnerait de sa trompette. Wakati atapika parapanda yake. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Siri ya Mungu itatimilika. Comme il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Jinsi alitangazia watumishi wake wanabii. Nous sommes au jour où les mystères de Dieu doivent s'accomplir. Tuko mumasiku ambamo siri ya Mungu inapasha kutimilika. Nous sommes au jour où tous les mystères doivent être révélés. Tuko mumasiku ambamo masiri yote inapasha kufunuliwa. Et le plus grand mystère. Na siri kubwa qui contient, qui comprend tous les autres mystères. Yenyewe ndani mwayo muku masiri ingine yote. C'est Christ. Ni Kristo. Amen. Amina. C'est pourquoi Paul nous disait. Njo kwa maana Paulo alikuwa anasema que Christ, ya kama Kristo, le mystère dans lequel siri ambamo sont cachés munafichwa tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Makiba yote ya hekima na kufahamu. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Makiba yote ya hekima na kufahamu sont cachés en Christ. Iko yenye kufichwa ndani ya Kristo. Christ lui-même est le grand mystère de Dieu. Kristo mwenyewe ni siri kubwa ya Mungu. Mystère qu'il avait caché bien avant la fondation. Siri il a rifichaka kabla ya ulimwengu kuwa. Mystère que même les anges ne connaissent rien. Siri yenyewe hata wa malaika hawafahamu chochote. Même les anges n'en connaissent rien. Hata wa malaika hawajue chochote. Et c'est de cela que frère Branham nous parle. Ni ile ndio ndugu Branham anatuambia. Et dans ce grand mystère caché, na katika hii siri kubwa yenye kufichwa, Dieu avait un triple dessein. Mungu alikuwa na kusudi mara tatu. Amen. Amina. Nous avons vu que Dieu est très grand. Turiona ya kama Mungu ni mkuu kabisa. Alors il avait en lui des attributs. Ivi ndani mwake mlikuwa vipaji. Avant qu'il ne crée le monde. Kabla ya kuumba ulimwengu. Avant qu'il ne crée les anges. Kabla ya kuumba ta malaika. Avant qu'il ne soit même Dieu. Kabla ya kuwa hata Mungu. Il avait des attributs. Alikuwa na vile vipaji. Il était seul. Alikuwa peke yake. Il était Elohim. Alikuwa Elohim. Qui existe par lui-même. Mwenye kuwako kupitia mwenyewe. Il n'y avait rien qui était créé. Hakukukua kitu hata kimoja kilichokuwa kimeumbwa. Alikuwa peke yake. Mais en lui il y avait des attributs. Lakini ndani mwake mlikuwa vipaji. Il y avait l'attribut d'être le créateur. Ulikuwa kipaji cha kuwa muumbaji. Pour que cet attribut se manifeste. Sio kusema hiki kipaji kionekanike. Il devait créer. Alipasha mbele kuumba. Il avait l'attribut d'être un père. Ndani mwake mlikuwa kipaji cha kuwa baba. Pour que ça se manifeste. Sio kusema ile ionekanike. Il devait avoir des fils. Alipasha kuwa na wana. Il avait l'attribut d'être un sauveur. Ndani mwake mlikuwa kipaji cha kuwa mwokozi. Pour manifester cela, Dieu konekanisha ile. Il fallait qu'il y ait des choses, des enfants qui se perdent. Il ipendeza kuwe watoto wale wanapotea. Pour qu'il les rachète. Ivi awakomboe.
Amen. Amina. Donc dans son premier dessin, manake, katika kusudi yake il voulait exprimer tous les attributs qui étaient en lui. Aripenda kueleza vipaji vyote vilikuwa ndani mwake. Il voulait les manifester. Aripenda kubionekanisha. Et le deuxième dessin, na kusudi kwa pili, il voulait avoir un peuple. Aripenda kuwa kwa na watu sur lequel il aura la prééminence. Jia wale wenye waripasha kuwa na utawalo. C'est son corps, c'est son église. Ile ni mwili yake ndio kanisa lake. Sur lequel il veut dominer. Ndani ya wale wenye napenda kutawala. Même pour dominer dans l'église. Hata ndio kutawala ndani ya kanisa. Il faut que ce soit Christ. Inapendeza iwe Christ. Amen, amen. Amen, amen. Pour que l'église manifeste la vie de Dieu. Ndio kusema kanisa ionekanisha uzima wa Mungu. Pour que l'église soit le peuple de Dieu. Ndio kusema kanisa iwe watu wa Mungu. Il faut que Christ. Inapendeza Kristo. Vienne habiter dans l'église. Akuye aishi ndani ya kanisa. Sous la forme du Saint-Esprit. Katika umbo ya Roho Mtakatifu. Le troisième dessin. Na kusudi kwa tatu. C'est restaurer l'Eden. Ilikuwa ni njia kurudisha tena Edeni. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. C'est ça mes bien-aimés frères. Njo ile wapenda wa nduku. Suivez un peu les prophètes. Sikilizeni mbele nabii. Il explique ça. Anafasiria ile. Paragraphe 140 dans le message Christ et les mystères de Dieu révélés. Kifungo 114 katika ujumbe Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Je donne souvent la référence pour que vous puissiez continuer à méditer sur la chose. Paragraphe 140 à 144. Kifungo 114 Et puis nous allons lire 172. Na kisha tutasoma 172 173. Nous lisons. Tunasoma. Remarquez. Tazameni. Dieu a eu un triple dessein dans ce grand secret mystère. Mungu alikuwa na kusudi mara tatu katika hii siri kubwa yenye kufichwa. Dieu dans son grand secret mystère, Mungu katika hii siri kubwa yake, qu'il détenait avant le commencement du monde, nayo kabla ya misingi ya ulimwengu kuwa, il avait un triple dessein là dedans. Alikuwa na kusudi mara tatu mule ndani. Et maintenant, na sasa, ce que nous voulons aborder ce matin, kile tunapenda kusema hii asubuhi, c'est quel est ce triple dessein? Ni ya kujua ile kusudi mara tatu ni nini? Voyez, unaona? Maintenant je crois qu'avec l'aide de Dieu, sasa nazani na msaada wa Mungu, avec l'aide de Dieu qui est présent, na msaada wa Mungu mwenye kuwa hapo, il nous le montrera. Atatuonesha hayo. Alors, s'il avait ce triple dessein, sasa kama alikuwa nayo kusudi mara tatu, nous voulons découvrir quel est ce triple dessein. Tunapenda tutambue hii kusudi mara tatu ni nini? La première chose, kitu cha kwanza, c'était que Dieu voulait se révéler aux gens. Il kuya ya kusema Mungu alipenda kujifunua kwa watu. Il ne pouvait pas le faire en tant que grand Dieu Jéhovah. Ashikupasha kuifanya kama Mungu mkuu Yehova qui couvrait tout l'espace. Ola alikuwa na jaza wazi yote le temps. Qui couvrait l'espace. Alikuwa na jaza mafasi wakati et l'éternité. Hata umilele. Il ne pouvait pas. Ashikupashwe. Il était trop grand alikuwa kubwa kabisa pour pouvoir être révélé aux gens. Ndio akuweza kufunuliwa kwa watu parce que ce serait trop mystérieux. Kwa sababu ilipasha kuwa ya siri kabisa. Comment est-ce que ce grand être qui n'a jamais eu de commencement? Namuna kani huyu mtu ule bado ashiakuwaka na mwanzo. Après que vous avez dépasser les cycles de centaines de milliards kisha et de millions, des millions d'années lumière, maelfu ya miaka ya mwanga dans l'espace ulimwenguni et que vous avez continué jusqu'à l'infini na unaendelea paka kufika kule dans l'éternité paka na muumilele. Il y a une glorieuse créature Muna qui était tout ça et qui l'est toujours. Kuna kiumbe cha utukufu kile kilikuwaka hivi vyote na kenye kuwa paka ile. Mais ce qu'il voulait faire. Lakini kila alipenda kufanya. Il aimait la paternité. Alipendaka ubaba kabisa. Car il était un père. Kwa sababu yeye alikuwa baba. Et le seul moyen pour lui d'exprimer cela. Na namuna moja njuu yake ndio kueleza ile. C'était de devenir un fils. Ilikuwa ni kuwa tu mwana. Un homme. Mutu mwanadamu.
Amen. Amina. C'est pour ça que Jésus disait constamment le fils de l'homme. Njoko amana, njoko ile sababu Kristo alikuwa anasema kila mara mwana wa mtu. Voyez, naona. Il ne savait pas de quoi il parlait, les gens ne savaient pas. Abakujuwake kila ranza kusema. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas de quoi il parlait. Bamingi miongoni mwao hawakuwa najua. Mais maintenant vous saisissez. Lakini sasa mnashika ile. L'assemblée dit amen. Mkusanyiko unasema amina. Est-ce que vous saisissez? Eti mnaelewa? Amen, amen, amen. Amina, amina. En lui. Ndani mwake. Il y avait la tribu d'être un père. Murikuya kipaji cha kuwa baba. En lui. Ndani mwake. Il y avait aussi la tribu d'être un fils. Murikuya tena kipaji cha kuwa mwana. Dieu est devenu fils par Jésus. Mungu akawa mwana kupitia Yesu. Que nous le verrons plus tard. Na tutayona baadaye. Amen. Amina. En lui. Ndani mwake. Il voulait être toi et moi. Alipenda kuwa wewe na mimi. Yesu Kristo. Et frère Branham dit les enfants de Dieu. Nandu Branham asema watoto wa Mungu. Étaient des attributs en Dieu. Walikuwa ni vipaji ndani ya Mungu. Nous aussi nous étions des pensées en Dieu. Sisi pia tulikuwa wazo ndani ya Mungu. Tu ne peux pas être un fils de Dieu sans être un attribut. Sans avoir été un attribut. Hawezi kuwa mtoto wa Mungu bila wewe kuwa mbele kipaji bila kuwa katika wazo yake. En cela nous aussi nous sommes éternels. Kwa ile sababu sisi pia tuko wa milele. Nous étions des pensées éternelles. Turikuwa mawazo ya milele. Nous avons existé avant le monde. Turikuwa vile kabla ya ulimwengu kuwa. Sous forme de pensée. Katika umbo ya wazo. En Dieu. Ndani ya Mungu. Et na quand une pensée est exprimée, wakati wazo inelezwa, cela devient la parole. Na ile inakuwa sasa neno. Toi aussi. Wewe pia. Quand tu parles, wakati unasema, tu exprimes les pensées qui sont en toi. Ukueleza ni mawazo yenye kwa mweye. Quand Dieu, wakati Mungu exprime ses enfants, anaeleza watoto wake, ses enfants deviennent la parole. Na ile inakuwa sasa neno. Ils ne peuvent pas contredire la parole parce que c'est leur nature. Hawawezi kupinzana na neno kwa sababu ile ndio asili yao. C'est là que nous arrivons. Ni kule ndio tukunenda na kufika. Nous serons la parole. Tutakuwa neno. Nous devons devenir la parole. Tunapasha kuwa neno. La parole a été faite chair. Neno ikajiumbulisha mwili. Nous aussi. Sisi pia. Nous sommes la parole faite chair. Tuko neno yenye kujiumbulisha mwili. Nous sommes aussi Malaki 4 faite chair. Sisi pia ni Malaki 4 yenye kujiumbulisha mwili. Nous sommes les enfants de Malaki 4 manifestés. Tuko watoto wa Malaki 4 wenye konekanishwa. Amen. Amina. Nous étions des pensées en Dieu. Tulikuwa mafikara ndani ya Mungu. Amen, amen. Amina, amina. Ici, apa, il commence d'abord par être le premier-né d'entre tous. Anaingia pombele kuwa muzaliko wa kwanza miongoni mwa wote. Amen, amen. Amina, amina. C'est là que frère Branham dit. Njo pale ndugu Branham anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Oh là là, j'ai sauté. La page s'est tournée. Je cherchais ce que j'étais. Voilà. Alors il dit. Sasa anasema. Mais ce qu'il voulait, lakini, il aimait la paternité. Car il était un père. Kwa sababu ya le baba. Seul moyen pour lui d'exprimer cela, na namuna moja njuu yake njuu kueleza c'était de devenir un fils. Ilikuwa ni kuwa mwana, un homme. Kuwa c'est adamu. Pour ça que Jésus disait constamment. Njuu kwa mana Yesu alikuwa anasema kila mara, le fils de l'homme. Mwana wa mtu. Voyez, mnaona? Il ne savait pas de quoi il parlait. Hawakujuwake kila ranza kusema. Beaucoup d'entre eux. Bamingi miongoni mwao. Mais maintenant. Lakini sasa hivi. Vous saisissez. Unashika ile. Ça veut dire amen. Usaniko nasema amina. Voyez. Mnaona? Il voulait s'exprimer. Alipendaka kujieleza. C'était là. Ilikuwa mule ndani. Là. Mule. Un de ces trois grands desseins. Hii makusudi tatu yake kubwa. C'était de s'exprimer. Ilikuwa ni kujeleza. De s'identifier avec les êtres humains. Kujitambulisha na wanadamu. De se révéler. Kujifunua. En Christ. Ndani ya Kristo. Deuxièmement. Kapiri. C'est ce que nous sommes en train de voir. Jo ile tukunenda na kufunda. Deuxièmement. Kapiri. C'est d'avoir la prééminence. Ilikuwa ni kuwa na utawalo. Dans son corps. Ndani ya mwili wake. Dans son corps de croyants. Ndani ya mwili wake ya waumini. C'est-à-dire. Mana yake. Son épouse. Bibi harusi wake. Pour pouvoir vivre dans les gens. Juu ya kuweza kuishi kwa ndani ya watu. Mungu veut vivre dans les gens. Anapenda kuishi ndani ya watu. Pour qu'il ait la prééminence sur vous. Juu ya kusema awe na utawala juu yako. Il faut qu'il vienne vivre en vous. Inapendeza awe na aishi ndani mwako. Alléluia. C'est ça que nous sommes en train. Njoo ile tukunafunda. La prééminence de Christ dans son église. Utawalo wa Kristo ndani ya kanisa lake.
Amen. Amina. D'avoir la prééminence utawalo, dans son corps de croyant. C'est-à-dire son église, son épouse, pour pouvoir vivre dans les gens. Dieu a kuwezi kuishi ndani ya watu. Amen. Amen. Amina. Amina. Suivez maintenant. Sikieni sasa. 145. Miamoja makumi ine oh, na tano. Ça, ça, vivre dans les gens comme ça, ça. Kuishi ndani ya watu hivi. Hii. Il avait pu le faire dans Adam et Ève. Alipashaka kuifanya ndani ya Adamu na Hawa. Il a commencé par Adam. Alianjaka ni kule. Mais ils sont tombés. Lakini wakaanguka. Il avait pu le faire par Adam et Ève. Alipashaka kuifanya ndani ya Adamu na Hawa. Mais le péché les a séparés. Lakini zambi ikawatenganisha. Donc maintenant, ça, ça il fallait un moyen pour retrouver ça. Il avait déjà commencé ça. Adam na Hawa. Un Dieu amateur. Mungu mdogo. Adam était Dieu. Fils Adam de Dieu. Ni Mungu il est dominé sur la terre. Mais le péché Zambi a brisé cette ikavunja ile le péché les a séparés. Zambi ikawatenganisha. Dieu a cherché les moyens. Mungu akatafuta kona muna pour retrouver cela. Dieu a kupatulula tena ile. Il nous a racheté. Akatukomboa. Et na ramené à cela. Anaturudisha kuile. Amen. Amina. Il dit, anasema, maintenant il fallait un moyen pour retrouver ça. Ça, ça, il pendait ça qu'on a mangé. Oh là là! Donc, Branham anasema, oh! Hey. Quand je. Wakati ni na. Si, quelle richesse pour moi! Ni utajiri kaninju yangu. Rien que d'y penser. Kuwaza tu kusuile. Voyez. Munaona? Voyez quel était le dessein de Dieu? Munaona kusudi kwa Mungu kurukua nini? Pourquoi n'a-t-il pas simplement garder Adam et Ève comme ça. Dieu a nini ashikuwezi tu kuchunga Adam na Hawa paka vile sans qu'il ne puisse tomber qu'il est. Bila wao kuanguka kutenda zambi anawachunga paka vile. Frère n'a pas répondu. Donc Branham anajibu. C'est qu'il n'aurait jamais pu exprimer sa plénitude. Maana yake ashikupashe kufika kujeleza tena muutele. La totalité de son attribut. Utele wa bipaji vyake. En effet, kwa hivi, là il aurait pu être un père. Pale ashikupashe kuwa tena baba. C'est vrai parce qu'il avait des enfants. Ni kweli kwa sababu alikuwa na watoto. Lakini il était aussi un sauveur. Alikuyaka tena mwokozi. Il devait laisser Adam et Ève tomber. Alipashe kubacha mbele Adam na Hawa kuanguka. Il les a laissés sur le libre arbitre. Akawacha mbele ya uchakuo wako binafsi. Il a laissé Satan là-bas. Akamwacha shetani kule. Satan est venu les séduire. Shetani akakuya na kuwatongoza. Ils sont tombés. Wakaanguka pour lui permettre. Dieu kumruhusia yeye. D'exprimer son attribut de sauveur. Eleze sasa kipaji chake cha mwokozi. Il dit s'il n'avait pas permis que Adam et Ève tombent. Anasema kama shikurusia kusema Adam na Hawa banguke. Il n'allait pas exprimer son attribut de sauveur. Ashikupasha kueleza kipaji chake cha mwokozi. Mais c'était là. Na ilikuwa mule ndani yake. Il fallait le laisser tomber. Ilipendeza kubache tu banguke. Pour qu'il vienne le racheter. Dieu kusema akuya wakomboe. Il nous a racheté. Anawakomboa. Et ramené à ça. Na kuturudisha kuile. Il a racheté quelque chose. Kukomboa kitu. C'est le ramener à ce qu'il était ni à son origine. Kukirudisha mumusimamo yake ya kumwanzo. Si vous comprenez, dites amen. Kama munelewa semeni amina. Si vous le croyez, dites un grand amen. Mukayamini semeni amina kubwa. Amen. Amina. Amen. Amina. Oh, c'est très bon. Eh, hey, iko mzuri kabisa. Ce sont des bonnes choses. Ni vitu vizuri kabisa. Est-ce que vous aimez ça? Eti munavipenda? Amen. Amina. Alors, fils, il dit. Sasa anasema. Et comment pouvait-il le faire? Na namuna kanaripasha kuiteni. Uniquement par Christ. Ni paka tu kupitia Kristu. Pour sauver l'homme. Dieu a commandé Mungu. Je devais devenir Christ. Mungu alipasha kuwa Kristu. C'est par Christ. Ni kupitia Kristu tu. Qu'il devait sauver. Dieu alipasha kokoa mutu. Alléluia. Alléluia. Comment pouvait-il être un guérisseur? Namuna kanyaripasha kuwa muponyaji. Uniquement par Christ. Ni paka tu kupitia Kristu. Qui guérit, c'est Christ. Ni nani kunaponya, ni Kristu. Amen. Amina. Comment pouvait-il être un guérisseur uniquement par Christ? Ni namuna kanyaripasha kuwa muponyaji. Vous voyez? Kristu, munaona? Toute chose se trouve dans cette personne-là. Kila kitu kiko ndani ya ule mutu ule. Alléluia. Alléluia. Tout se trouve en Christ. Yote biko ndani ya Kristo. Christ, c'est quand il s'est manifesté sur la terre, c'est Jésus-Christ. Kristo, wakati alionekanisha hapa dunia ni Yesu Kristo.
Amen, amen, amen. Amina, amina. Un homme ne peut pas guérir. Mutu ashezi kuponya. Quand tu vois un homme prier, wakati unaona mutu anakombe, un autre est guéri, unapona, c'est Christ qui l'a. Ni Christ ndio anaitenda. Amen, amen, amen. Amina, amina, amina. Et qui voici les signes qui accompagnent les croyants. Anasema tazameni maishara yetu. Amona ushasere le demon. Kwa jina langu wasikie malaria. Watatilia wagonjwa guéri. Wagonjwa wataponya. Les disciples sont partis. Wafasi wakaenda. Les signes les ont accompagnés. Maishara ikawashirikisha. Christ était avec eux. Christ alikuwa pamoja nao. Christ était avec eux. Christ alikuwa pamoja nao. Son esprit était avec eux. Roho yake alikuwa pamoja nao. Christ en vous. Christ ndani mwako. L'espérance de la gloire. Itumaini ya utukufu. C'est un grand mystère. Ile ni siri kubwa. Amen. Amina. Si vous croyez, dites amen. Kamini semeni amina. Vous voyez, toute chose se trouve dans cette personne-là. Munaona, bitu biote biku ndani ya ule mutu. Jésus Christ. Yesu Christu. Amen. Amina. 172. Maintenant, remarquez encore. Ça, ça tazameni tena. Donc, quels sont triple dessein. Se manifester en Jésus-Christ. Kujonekanisha ndani ya Yesu Kristo. Entrer dans le corps. Kuingia ndani ya mwili. Par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Pour avoir la prééminence. Njia kuwa na utawalo. Afin de rétablir l'Éden. Ili njia kurudisha tena Edeni. Restaurer ce qui a été perdu. Kurudisha kile kilipotea. C'était la seule chose qui n'était pas en bon ordre. Irikuwa njo kitu kimoja tu kila kikukwe muutaratibu. L'Eden sera restauré. Edeni itarudishwa tena. Nous rentrons vers l'Eden. Tukunarudia ku Edeni. Ce monde ici n'est pas en ordre. Hii dunia haina muutaratibu. Il sera détruit. Itaribiwa. Et Dieu va restaurer. Na kisha Mungu atarudisha upya Edeni. Et les élus vont descendre. Na wateule watashuka. Nous allons vivre comme Adam et Ève. Tutaishi tena kama Adamu na Hawa. Le millénium. Ile utawalo wa miaka elfu. Mais avant cela. Lakini kabla ya ile. Ndugu Branham anasema, vous ramenez tout toujours dans le futur. Mungu narudisha vyote paka muinjayo injayo. Jean dit nous sommes maintenant. Yohana anasema, maintenant c'est quand? Tuko watoto wa Mungu sasa hivi. Hapa sasa maana yake ni wakati gani? Maintenant c'est demain. Hapa sasa ni kesho. Est-ce que maintenant c'est demain? Eti hapa sasa ni kesho. Nous sommes quand? Maintenant. Tuko watoto wa Mungu hapa sasa. Si vous croyez que vous êtes maintenant enfant de Dieu, dites un grand amen. Amen. Dites encore un grand amen. 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 Ça commence ici. Binangia ni hapa. Jusque là-bas. Paka na kule. Si tu n'es pas enfant de Dieu, même là tu le connais. La vie éternelle commence à l'autre. C'est ici que ça commence. Tu vas avec ça jusque dans les millénaires. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Oh, bien aimé frère. Hey, wapenda ndugu na dada. C'est ça le plan de Dieu. Ile njo mapa ya Mungu. Amen. Amen. Alors, sasa, je voudrais insister sur quelque chose. Nilipenda kukazia kwa kitu kimoja. Jésus-Christ. Yesu Kristo nous a racheté. Alitukomboa et ramené. Na kuturudisha. Dans la position des fils et des filles. Katika msimamo ya watoto wanaume na wanawake wa Mungu. La prééminence sur eux. Ili awe na utawalo juu yenu. Dans le message. Katika ujumbe. Le fondement fondamental pour la foi. Msingi ya mwanzo njuu ya imani. Frère Barabdi. Ndugu Branham anasema. Anasema hivi. Je vais lire le paragraphe 9 et 10. Utasoma kifungo kia 9 paka kia 10. Suivez attentivement. Sikieni na usikilivu. C'est un message. Ni ujumbe. Du 13 janvier 1955. Ya tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 1955. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema hivi. Je vais lire le paragraphe 9 et 10. Utasoma kifungo kia 9 paka kia 10. Frère Branham dit, donc Branham anasema, l'homme mutu a été créé un dieu secondaire sur la terre. Aliumbiwa Mungu mudogo pa dunia. Mercredi nous avions lu dans la Bible, dans Genèse, l'homme a été créé pour dominer, n'est-ce pas? Siku ya tatu tulisoma katika Biblia hapo mwanzo, Mungu mutu aliumbiwa njoo kutawala. L'homme a été créé un dieu
secondaire sur la terre. Mutu aliumbiwa Mungu mdogo pa dunia. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Alipewa mamlaka ya kuongoza kila kitu. Tous les éléments sur la terre. Vitu vyote duniani. Et c'était Adam. Na ilikuwaka ni Adamu. Il avait été donné à Adam tous les grands pouvoirs. Adamu alipewaka mamlaka yote kubwa. Mais alors, lakini le pouvoir qui lui a été donné, il est mamlaka ilimupewa pour faire son chat, njua, pardon, son choix, njua, kufika kwa mkuchakula, c'est par cela qu'il est tombé. Ni kupitia ile njo akanguka. C'est par cela qu'il est tombé. Ni kupitia ile njo akanguka. Alors Adam pouvait parler au vent. Alors, na sasa mwile wakati Adam alipasha kusema na pepo. Il pouvait parler au vent. Kwambia pepo. Et le vent s'arrêtait. Na pepo ilikuwa na shimama. Il pouvait parler aux arbres. Alipasha kwambia ta miti. Les arbres lui obéissaient. Na miti ilikuwa na muti. Il pouvait parler à la nature. Alipasha kwambia maumbile. Elle lui obéissait. Maumbile ilikuwa na muti. Il pouvait parler aux eaux. Alipasha kwambia ta maji. Tout ce qui existait. Yote vilikuyaka hapo. Tout yote obéissait à Adam. Ilikuwa na muti Adamu. Eh bien, na sasa, c'est ça le commencement. Apa njo mwanzo. Amen. Amina. Et c'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Na ile njo mamlaka yenye Mungu alimpatia pa kila kitu duniani. Eh bien, na sasa, au travers de la chute, kupitia kule kuanguka, il a perdu ce pouvoir. Akapotesha sasa ile mamlaka. Alors, sasa, il est devenu inconscient. Akapotesha kujua de cette réalité là. Kujua ile kweli. Il ne sait pas qu'il est fils de Dieu, il est Dieu. Ashijijue tena kusema ni mtoto wa Mungu ya kama yeye ni Mungu. Amen. Amina. Il est devenu inconscient de cette réalité après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Akapotesha ile ukweli kisha yeye kupotesha ushiriki, urafiki na na Mungu. Alors il a perdu cela. Na akapotesha ile. Tous ces grands canons se sont obstrués. Ile mifereji yote kubwa ikafungwa. Il ne pouvait plus établir les contacts. Ikajibirika kukwetana na muna ya kurudisha mahusiano. Suivez même. Fateni sasa. Oh, japo Adam était en Dieu. Kile kenyewe Adam alikuwaka ndani ya Mungu. Christ. Cet homme là le rédempteur. Ule mutu mkombozi Christ. Nous a racheté. Ametukomboa. Et ramené à cela. Na kuturudisha kuile. Oh, japo un rédempteur. Mkombozi. Trois points. Racheter quelque chose, c'est le ramener à ce que cela était à son origine. Comment Dieu l'homme était à son origine? C'était un Dieu amateur. Il dominait. Il ne pouvait pas tomber malade. C'est ce qu'il était. Il n'avait pas de soucis. Il était un fils de Dieu. Amen. Amina. C'est ce que l'homme était à son origine. Et quand Christ nous a rachetés, il nous a ramenés à cela. Suivez maintenant. 10. Paragraphe 10. Il dit d'abord ce que l'homme était à son origine. Anasema mbele kile mtu alikuyaka kumwanzo. Et Adam, anasema Adamu, il ne devait jamais tomber malade. Asikupasheke kugonjwa atashikumoi. Il ne devait jamais mourir. Asikupashe kufwa. Il n'avait jamais de soucis. Asikukwake na uzuni. Il n'avait jamais de chagrin. Asikukwake na mashururi. Il n'avait jamais peur. Asikukwata na boka. Il montait simplement dans les bras du Père. Alikuwa anapanda tu mu mikono ya baba. Juste comme un enfant. Paka sa mtoto kidogo. Tout lui appartenait. Yote bilikuwa ni byake. Tout ce qu'il demandait. Yote bila alikuwa naomba. Eh bien, na sa, il l'obtenait simplement. Alianza tu kubipata. Quand un enfant demande quelque chose à son père, wakati mtoto analomba kitu kwa baba yake, le père lui donne. Baba namupatiaka. S'il ne lui donne pas, kama shimupati, il y a une raison. Mana yake kuku sababu. Rappelez-vous, kumbukeni, l'exemple de du rasoir. Ile mufano ya wembe. L'enfant qui demande, papa, mtoto analomba, baba, donne-moi aussi les rasoirs, je vais me raser. Kuna kata mandevu, nikaburia kuna mi wembe, nilikate mandevu. Un enfant de 2 ans. Mtoto wa miaka 2. Ou de 3 ans. Mtoto il voit son père se raser. Anaona baba yake anatikata ndevu. Baba, je veux aussi me raser. Mimi napenda na mimi nilikate ndevu. C'est une demande. Ile ni kulomba. N'est-ce pas? Aina vile. C'est une demande. Si ni kulomba, aina vile. C'est une demande. Ni kulomba. Est-ce que le père va lui donner? Eti baba yake atamupatia. Pourquoi? Njia nini? Parce qu'il n'en a pas besoin. Kwa sababu ashihitaji. Il va se blesser avec ça. Atajiumiza nayo.
Le père peut refuser aujourd'hui. Baba na wezu katala leo. Quand l'enfant aura 20 ans. Lakini wakati mtoto atakuwa na umri ya miaka 12. Là la barbe. Anakuwa na mandevu. Sans avoir demandé. Bila yeye kulomba. Le père dit mais comment Baba anamwambia sasa. Namuna vikaribi. Kana yazo avatera sasa. Eva wewe wewe ndotosha mandevu. Donc il y a des choses que Dieu manaeke kuko vile vile Mungu unamlomba Mungu anaangalia. Ce n'est pas le moment. Wakati ya yenea. Je vais te donner à ce moment-là. Quand tu en auras vraiment besoin. Alléluia. Alléluia. Comme un enfant. Kama mutoto. Tu demandes quelque chose. Dieu te donne simplement. S'il voit que tu en as besoin maintenant, il te donne ça. Alléluia. 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 Loïdi. Sasa nasema. Lui obéissait. Dieu te dit quoi na muti? Pourquoi? Parce qu'il était l'enfant de Dieu. Kwa sababu yeye alikuwa ni mtoto wa Mungu. Qui sont enfants de Dieu? Ni wanani ni watoto wa Mungu hapa? Tout doit vous obéir. Dieu te binapasha kututi. Dieu te binapasha kututi. L'enfant de Dieu. Mungu mtoto wa Mungu. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est comme quelqu'un qui a une entreprise. Iko sa mtu mwenye kwa na kampuni yake. J'ai vu, même ici d'ailleurs, même ici. Million, ata umwenyeo, comme forest. Kama forest. C'est une entreprise familiale. Ni kampuni ya jama. Le père est peut-être, je ne sais pas s'il est mort ou bien il est. Baba, chaque famille, si Dieu comme ça, n'a pas. Mais c'est lui qui dirige maintenant, c'est son fils. Lakini mwenye kuongoza hapa sasa, ni mtoto yake. C'est son fils. Ni mtoto yake. Amen. Amina. Et dans l'entreprise, tout lui obéit. Na katika mule mwile kampuni, bote shibe kuna muti. Pourquoi? Njia nini? C'est le fils du fondateur. Ni mtoto yake ya mwanzishi. Et j'engage, c'est-à-dire, il t'engage. Mina chukuo yu mukaji. Ana mwingisha mukaji. C'est le fils du fondateur. Ni mutoto ya mwanzishi wa ile kampuni. Nous sommes les fils du créateur. Sisi pia, tuku watoto wa umumbaji. Tout doit nous obéir. Yote binapasha kututi. Nous sommes les enfants du créateur. Tuku watoto wa umumbaji. Amen. Amina. Amen. Amina. Maintenant, ce que je voulais, c'est 11 ici. Sasa kile mimi nilipenda kusema ni 11 hapa. C'est ça mon souci. Il njo shururi yangu. 11, mettez 11. 11, mtu tilie 11 kukibao. 11, 11 il est dit. 11 imesemwa. Maintenant. Sasa le problème. Tatizo, il y a un problème. Kuko tatizo hapa. Il y a un problème. Kuko tatizo. Maintenant le problème. Sasa tatizo est que ni ya kusema depuis qu'il a restauré l'homme, Tokeya arirudisha tena mwanadamu et l'a ramené à cette place. Kumurudisha pai mshimamo, l'homme par la chute avait perdu la conscience de ce pourquoi Dieu l'avait placé ici sur terre. Mutu kupitia kule kuanguka alipotesha akili ya kujua kile kenye Mungu alimwekea hapa. De ce qu'il devait faire. Kile alipasha kutenda. Jésus a déjà payé le prix. Yesu ashakulipaka deni. Il nous a déjà ramené. Ashakuturudisha. Mais l'homme a perdu conscience. Lakini mutu anapotesha kufahamu. Voilà pourquoi nous prêchons. Kwa kwa ile sababu tuko na hubiri. Pour réveiller cette conscience. Ili kulamusha ile zamiri. Il y a un problème. Kuko tatizo. L'homme a perdu conscience. L'homme vit comme un malheureux. Il vit comme un misérable. Il vit comme un orphelin. Mais Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais l'homme est là. Malheureux. Misérable. Orphelin. Et pourtant son père est vivant. Croyez-vous que notre Père serait vivant? C'est ça le problème. Nous voulons réveiller votre conscience. Nous voulons réveiller votre conscience. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, mais bien. Hey, ma, dada. Il dit en d'autres termes. Toute la tuyauterie. Il est miferegi yote. Pour ainsi dire. Dieu a kusema. Notre cerveau bongo wetu et les issues na ile miferedi yote la foi imani ont été obstrués yote birifungwa obstrués birifungwa par les affaires professionnelles kupitia makazi les gens s'occupent plus de du travail pananza kushurulika kabisa njia ya makazi ya mikono tout ça c'est obstrué. Yote bile biko nafunga mifereji. Par la vie du foyer. Juu ya maisha ya jamaa. Makazi ya kunyumba. Tu es devenu si obstrué. Yote binafungiwa kabisa.
avec cela que Dieu ne peut opérer dans l'homme. Il ne peut opérer dans l'homme au travers de ses canaux comme il l'avait prédit. Or, quand Dieu a formé le corps humain, chaque petite partie avait un rôle. L'œil a un rôle. L'oreille a un rôle. Le nez a un rôle. La bouche a un rôle. Tous les membres du corps ont un rôle. Mais quand on empêche un membre du corps de ne pas jouer son rôle, l'homme n'est pas normal. Il est ici. Quand Dieu a formé le corps humain, chaque petite partie avait un rôle à jouer. Les dents, la langue, les yeux, le nez. Dieu a tout placé là-dedans pour que cela fonctionne parfaitement. Mungu aritia kila kitu mule ndani njoo kusema vyote vitumike vile nafai. Et que l'homme puisse vivre. Na mutu afike mkuishi. Si Dieu a ainsi modelé l'homme. Na kama Mungu alimupanga mutu mwina muna. Le corps de l'homme. Mwili ya mwanadamu. A combien plus forte raison a-t-il modelé, placé en ordre le corps de Christ, l'église. Marangapi aritia mutaratibu kabisa mwili ya Kristo. Kanisa. L'église aussi. Kanisa nayo pia. Dans l'église. Ndani ya kanisa. Il y a plusieurs membres. Muko viungo vyengi. Chaque membre a aussi un rôle. Kila kiungo kiko na kazi. Amen. Amina. Dans l'église, il y a la tête de l'église locale. Ndani ya kanisa. Peko kichwa. Kanisa hapa nafasi ni pastori. Amen. Amina. Le corps mystique de Jésus-Christ, la tête, c'est Jésus. Mwili usionekana wa Yesu Kristo. Kichwa. Ni Roho Mtakatifu. Mais dans le corps, lakini ndani ya mwili, chaque membre a un rôle. Kila kiungo wana kila mwanamemba yuko na kazi. Mungu alifanyia kwa watu mazawadi. Mais faut pas garder ton don. Aipendeze kuchunga ile zawadi yako. C'est pour l'édification. Ni njia ya kukamilishwa kwa kanisa. C'est pour le perfectionnement. Ni njia ya kukamilishwa. Il y en a qui ont les dons de prophétie. Koko wale weko na mazawadi ya utabiri. Beko na jificha na les dons de miracle. Ili mazawadi ya miujiza. Nous avons besoin de tout ça. Tuko na hitaji ile mazawadi yote. Il faut vous faire connaître à votre pasteur. Inapendeza kujitambulisha kwa pastori wako. Pasteur moi. Unamonesha pastori wangu mie. Je m'utilise. Mungu ananitumikishaka. Dans la prophétie. Mu unabii. Moi. Mie. Je m'utilise. Mungu ananitumikishaka. J'ai les dons de guérison. Niko na zawadi ya uponyaji. On peut utiliser ces dons. Tunawezi kutumikisha ile zawadi. Tuko na nyumba ya mazawadi. Les gens diminuent. Watu weko nenda na kupunguka. Yana ki qui sont mutés ou bien qui changent. Wengine wanawatuma makazi. Mwingine anaenda kukolwezi, huyu anaenda kufungurume. Nous avons besoin de la maison de Dieu. Tuko na hitaji ya nyumba ya mazawadi itumike. C'est déjà une appel. Hii ni wito. Si vous avez un don. Kama tuko na zawadi. Kuya onane na mie. Peut-être toi tu es l'œil. Sa zingine wewe ukulicho. Peut-être tu es le bras. Sa zingine uko ni mikono. Amen. Amina. Chacun a un rôle. Kila mutu eko na kazi yake. Amen. Amina. Nous avons besoin, nous voulons renforcer notre maison de Dieu. Tuko na hitaji mazawadi, tunapenda tusimamishe nyumba yetu ya mazawadi. Venez d'abord me voir. Mukuye mbele tuonane. Donc, kama kuna zawadi. Nous allons les encadrer, les orienter. Kisha tutamifundisha na kumionyesha namna kutenda. Amen. Amina. Je vais parler de cet homme, ce qu'il a fait là. Ninapenda kusema mbele njia huyu mtu kila alitenda. Les autres choses, Dieu voulait nous voyons. Na vitu vingine tutaviona kama Mungu anapenda siku ya Jumapili. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Dans le rédempteur. Katika mahubiri. Donc rédempteur, rédemption. Mkombozi na ukombozi. C'est un message du 19. Ni mahubiri ya tarehe 19 novembre. Mwezi wa 11 mwaka wa 55. Il dit la même chose que Jésus nous a racheté rapidement. Anasema kitu kimoja kumoja ya kama Yesu alitukomboa na kuturudisha. Paragraph 54. Kukipindi 54. Il avait-il racheté? Anasema alikomboa nini? Il a racheté votre âme de l'enfer. Alikomboa nafsi yako toka gehena.
si je suis sauvé, kama nimeokolewa, je n'irai pas en enfer. Mimi sitaenda mugeena. Mon âme est rachetée de l'enfer. Nafsi yangu ishakokolewa kugeena. Qui croit qu'il est racheté de l'enfer? Ni nani anaamini kama naokolewa kugeena? Qui croit qu'il ira en enfer? Ni nani anaamini kama tena mugeena? On va délever les mais il faut entendre. Mbele ya kujangula mkono. Unapasha kushikia. Huko pengine anashush anapandisha. Qui croit qu'il ira en enfer? Nani atenda mugeena? Si vous êtes sauvé, kama ushakokolewa, le Seigneur vous a sauvé de l'enfer. Mungu anakubwana na kuokoa kugeena. Il a racheté votre âme de l'enfer. Anakomboa nafsi yako kugeena. Il a racheté et ramené tout ce qu'Adam avait perdu. Anakomboa na kurudisha byote bile Adamu alipoteshaka. Amen. Amina. Jésus-Christ. Yesu Christo. Au calvaire. Kule ku calvario. Était votre parent rédempteur. Alikuyaka nduku yako mkombozi. Il vous a racheté de chaque malédiction. Aliye mkomboa kukila laana yote ya shetani. Jésus-Christ. Yesu Christo. Au calvaire. Kule ku calvario. Vous a racheté. Alimkomboa. Chaque malédiction du diable. Kukila laana ya ibilisi. Un enfant de Dieu, mutoto wa Mungu, ne peut pas être maudit. Ashwezi kulaniwa. Quand Balaam voulait maudire les enfants de Dieu, wakati Balaam alipendaka kulani watoto wa Mungu, comme ça, anafika hivi, il commence à les bénir. Ananza kuwabariki. Toute malédiction se transforme en bénédiction. Malaana yote iko na badirike na kuya baraka. Dites, je suis béni. Sema nimebarikiwa. Je suis béni. Nimebarikiwa. Je suis béni. Nimebarikiwa. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Au calvaire. Kule ku calvario. Il vous a racheté de chaque malédiction du diable. Alimikomboa kukila laana yote ya shetani. Il a racheté votre âme. Anakomboa nafsi yako. Il rachète votre corps malade. Anakomboa mwili wako mgonjwa. Il rachète votre esprit inquiet. Anakomboa roho yako yenye kwa na mauzuni. Il vous a apporté le bonheur. Anakuletea yako heri. Il vous a apporté la joie. Anamiletea yako fura. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu est toujours joyeux. Mutoto wa Mungu anekalaka paka wa fura. Voyez ce que Jésus a fait pour nous. Unaona kile Yesu anamifanyia. Amen, amen, amen. Amina, amina, amina. Amen. Amina. Suivez un peu. Ufikie mbele. Dans la brèche. Katika maubiri pengo. Message qu'il avait prêché. Maubiri il a rubiri. 7 mars 1963. Tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka makumi sita na tatu. Sa redemption. Ukombozi wake. Signifie. Ukuna mananisha. La possession. Kushika. Légale et complète de tout ce qui avait été perdu par Adam et Eve. Kushika kwa halali na muutele kwa bile biote Adamu na Awa waripoteshaka. La possession. Mashiko. Si Jésus rachetait ça que je possède ça. Kama la possession. Mana yake niko na. Niko na. Légal et complet. Il est magique, il y a l'ali na moutele, il y a bien que bile Adam a ripoté ça. Tu me dis, oh là là! Tu prends un homme à ce moment, oh my! Oh! Hey! Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? Il tendo canile ripacha koufanchia mou Christo wa kweli mwenye koufanchia mou la possession légale. Ii mashiko wala mali ya halali. Ki titre incontestable. Ii kitabu cha mwenye mpango cha. Ki titre de propriété. Mipango ya mwenye mpango. Mikanda ya mwenye mpango. Yenye kukupatia aki kuzima wa milele. Cela signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Eve avaient perdu. Mana yake uko na bile vyote Adamu alipoteshaka. Possédez c'est quoi? Kushika ni kusema nini? Mais c'est posséder, c'est avoir. Si ça, c'est possédé. Huku na kitu chako. C'est avoir votre bisou. Ni kitu chako huku nakyo. Vous possédez. Huku na kitu. Alléluia. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokeaka ni kupiga bena kushikia. Je veux que vous puissiez vous révolter. Mimi napenda ushirike muro. Il faut vous révolter contre Satan. Inapendeza kushirika kumshirikia shetani mukiro. Kwa ça. Nini moi je suis un fils de Dieu. Nini mtoto wa Mungu. Je suis le fils de Dieu. Niko binti wa Mungu bie. Je possède. Niko na. Tout ce qu'Adam avait perdu. Bile biote Adam alipoteshaka. Amen, amen, amen. Amina, amina. Amen. Amina. Fiu. Nasema, fiu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Muku nasema yini nini? La possession de cet acte. Mashiko.
mashiko ya hii mikanda ya mwenye kitu. Kuposede sana. Uko na ayo. Eh. Ah. Eh. Ah. Qui a fait que nous possédions cela? Ni nani anafanya kusema tukue na ile mikanda? C'est Jésus. Ni Yesu. C'est pourquoi il dit. Njoo kwa maana anasema. Pour nous racheter. Njoo kutukomboa. Adam quand il est tombé, il ne pouvait pas nous racheter. Adamu wakati arangukaka akukue na muna ye kumkomboa pale. Paragraphe 120. Kipindi 120. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption. Adamu ashikupashake kutoshesha maaki majizo yote ya ukombozi. Après qu'il l'avait perdu le titre là. Kisha yeye kupotesha ile mikanda ya mwenye kitu. Il avait péché. Alitendaka zambi. Il s'était séparé de Dieu. Akatengana na Mungu. Il était de ce côté-ci de l'abîme. Alikuwa hii ngambo nyingine ya mfereji. Il ne pouvait pas le racheter. Akukwe na muna ya kumkomboa. Il ne pouvait absolument pas le faire. Akukwe na muna ya kuifanya. Parce qu'il avait lui-même besoin de la rédemption. Kwa sababu Adam mwenyewe alianza kuhitaji ukombozi. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Lakini sheria hiyo ilianza kulazimisha ndugu mkombozi. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Sheria ya Mungu ilianza kulazimisha ndugu mkombozi. Mwambie si vous pouvez le noter, notez cela. Ndugu Branham anasema kama mnawezi kuandika, mwandikeni hivyo. Un parent rédempteur. Ndugu mkombozi. Et ça se trouve dans Lévitique 25. Na iko katika Walawi sura yake 25. Nous n'aurons pas le temps d'étudier tout cela. Nasema hatuwezi kupata wakati ya kufunza hivi vyote. Parce que vous savez chaque passage prendrait une soirée à lui seul. Kwa sababu mnajua kila andiko inaweza kuchukua jioni mzima. 123. La loi de Dieu admettait un substitut. Anasema sheria ya Mungu ilianza kulazimisha damu. Bon, je saute un peu parce qu'il me reste 4 minutes. Iranza kulazimisha badara. Ready. Suive. Sikieni. 125. 125. Maintenant remarquez donc. Sasa angalieni. Donc un ange, ce que j'ai sauté, il dit, la loi exigeait que ce soit un plus proche parent de l'homme qui le rachète. Kile mina Luka anasema, sheria iranza kulazimisha ikuye nduku mkombozi wa karibu sana na mwanadamu. Et un plus proche parent de l'homme, ça devait être l'homme. Nanduku wa karibu sana, nduku mkombozi wa karibu sana na mutu. Ilipasha kuwa paka mutu. Tous les hommes sont nés par le sexe. Watu wote walizaliwa ni kupitia tendo ya ndoa. Il n'y a personne. Hakuna mutu hata moja. Quand vous naissez déjà par le sexe, vous êtes né dans le péché. Kama tu unazaliwa mudunia kupitia tendo ya ndoa huku ndani ya zambi. Il dit aucun ange ne pouvait nous sauver. Anasema kuna malaika hata moja ule alipasha kutokoa. Parce qu'un ange n'est pas un proche parent de l'homme. Kwa sababu malaika haina ndugu mkombozi wa karibu na mwanadamu. L'ange n'a pas la même nature que nous, il n'a pas le même corps. Malaika hashina asili moja moja na yetu. Il fallait l'homme. Ilipendeza paka mutu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Sasa Mungu alifanya nini? Il fallait que Dieu. Ilipendeza kusema Mungu. Devienne proche parent de l'homme. Akuye sasa ndugu mkombozi wa karibu. Par Christ. Kupitia Kristo. C'est pourquoi Christ. Ndio kwa maana Kristo. Et le grand mystère de Dieu. Ni siri kubwa ya Mungu yenye kufunuliwa leo. 135. Kipindi 135. Toujours dans la brèche. Paka katika pengo mahubiri. Maintenant remarquez. Anasema sasa tazameni. Donc, il fallait qu'il soit un parent. Yani ilipendeza awe nduku. Un ange ne pouvait pas le faire. Malaika ashikupasha kuifanya. Un homme ne pouvait pas le faire. Mutu ashikupasha kuifanya. Il fallait que ce soit un homme. Ilipendeza iwe mutu. Mais il ne pouvait pas être né d'une femme. Lakini ashikupashe kuzaliwa kupitia mwanamke. Par un acte sexuel. Kupitia ile tendo ya ndoa. Aussi dans la naissance virginale. Na tena kupitia hii kuzaliwa kwa kibikira. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. A couvert Marie de son ombre. Akamfunika Miriamu na kiburi chake. Par conséquent. Kwa kupitia ile. Jésus. Yesu. N'était pas un juif. Ashikupashe Yahudi. Jésus Yesu n'était pas un non-juif. Ashikukuyake hata mtu wa mataifa. Jésus Yesu était Dieu. Alikuwa ni Mungu. Exactement. Akika son sang damu yake n'est venu d'aucun acte sexuel. Aikutoke kutendo ya ndoa hata moja. Il était le sang sacré de Dieu. Ilikuwa ni damu takatifu ya Mungu. Par une création. Kupitia uumbaji. Nous ne sommes pas sauvés par le sang juif. Japo atokolewe kupitia damu ya Muyahudi. Nous ne sommes pas non plus sauvés par le sang des non-juifs. Atokolewe hata kupitia damu ya mtu ya mataifa. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Lakini tumeokolewa kupitia damu ya Mungu.
c'est conforme à la Bible. Hii inapatana kabisa na Biblia. C'est ce qu'elle dit. Njo kile Biblia inasema. Amen. Amina. Je lis la dernière déclaration. Nasoma luku ya mwisho. Pour montrer pourquoi nous adorons Jésus. Njia konesha njia nini tuku na mwabudu Yesu. Dans les fils de Dieu manifestés. Katika mahubiri wana wa Mungu wenye kuonekanishwa. Les fils de Dieu manifestés. Wana wa Mungu. Il avait prêché le 18 mai 1960. Il est arubiri tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka wa 16 85 kipindi cha 85. Suivez les prophètes. Sikilizeni nabii. Il dit maintenant vous les frères trinitaires. Anasema sasa nini wa nduku wa utatu. Je ne veux pas vous froisser. Mishipende kumikwaza. Mais comment au nom de la bonne parole de Dieu? Lakini namuna kani kupitia jina ya sauti nzuri ya Mungu. Pouvez-vous donc arriver à faire de Jésus une autre personne que Dieu lui-même? Muku nafika na mkufanya Yesu mtu mwingine pari pa Mungu mwenyewe. Il s'adresse aux trinitaires. Eko naambia hapa watu wa utatu. Aux dénominationnaires. Kwa watu wa kizebu. Comment pouvez-vous faire de Jésus une autre personne que Dieu? Namuna kani muku nasema Yesu ni mtu mwingine pari pa kusema ni Mungu mwenyewe. Si Jésus s'était permis, kama tu Yesu alidirusia, de prendre une autre personne pour l'envoyer mourir, kuchukua mtu mwingine ndio kumtuma kufwe, ou pour racheter quelqu'un ici, wala ndio kukomboa mtu hapa, il serait un être injuste. Alipasha kuwa mtu msaniki. Il n'y a qu'un seul moyen pour Dieu de le faire. Kuna namuna tu moja ya Mungu ndio kuifanya. C'est de prendre lui-même cette place là. Ni kuchukua yeye mwenyewe ile fasi. Et Dieu na Mungu s'est fait chair. Akajifanya mwili pour qu'il puisse connaître la souffrance de la mort. Tu es kufika mkuonja kwa maumivu ya mwili afin de nous débarrasser de l'aiguillon de la mort. Tu es kutuepusha ku ile mchomo ya lufu que nous puissions être rachetés ili tufike kukomboa par sa mort à lui. Kupitia lufu lwake yeye. C'est pour cela qu'il sera tant adoré. Tu kwa ile sababu atabudiwa kabisa zaidi. Jésus était un homme. Yesu alikuyaka ni mutu. Bien sûr qu'il l'était. Akika alikuyaka mutu. Bien sûr qu'il l'était. Akika alikuyaka mutu. Il était un homme. Alikuya ni mutu. Homme. Mutu. Né de la Vierge Marie. Mwenye kuzaliwa na Bikira Miriam. Mais l'esprit qui était en lui. Lakini roho ile alikuwaka ndani mwake. C'était Dieu sans mesure. Alikuyaka ni Mungu bila kipimo. L'esprit qui était en lui. Roho ile alikuwaka ndani mwake. C'était Dieu. Alikuwaka ni Mungu sans mesure. Bila kipimo. Donc la plénitude. Mana yake utele wa Mungu. Il ne peut pas entrer dans un autre homme, tu vas exploser. Achezi kuingia ndani ya mtu mwingine utalipuka. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Il dit, anasema, c'était Dieu sans mesure. Alikuwa ni Mungu bila kipimo. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Ndani mwake mulikuwa katika mwili utele wote wa Mungu. Il était Jehovah Jireh. Alikuwa Yehova yule. Il était Jehovah Rapha. Alikuwa Yehova Lapha. Il était Jehovah Manasseh. Alikuwa Yehova Manasseh. Il était Jehovah. Alikuwa Yehova. Notre armée. Kuye sila yetu. Notre bouclier. Kuye ngabu yetu. Notre guérisseur. Kuye muponyaji wetu. Il était l'alpha. Kuye alikuwa alpha. L'omega. Alikuwa omega. Le commencement. Mwanzo. La fin. Hata mwisho. Il était le premier. Alikuwa wa kwanza. Il est le dernier. Alikuwa wa mwisho. C'est lui qui était. Kuye ndo alikuwa. Qui est. Eko. Et qui vient. Na eko na kuja. Ne rejetons. Kuye kitiputi. La postérité de David. Na uzao wa Daudi. L'étoile du matin. Ile nyota ya asubuhi. Il était le tout en tout. Alikuwa yote ndani ya mote. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Ndani mwake mulikuwa mutele umungu. C'est pourquoi il est tant adoré. Kwa maana anabudiwa kabisa. Nous devons l'adorer. Anabudiwa kabisa. Jésus-Christ est Dieu. Yesu Kristo ndiye Mungu. Il est l'image du Dieu invisible. Yeye ni picha ya Mungu asiyeonekana. C'est lui notre parole d'amour. Yeye ndio ndugu yetu mkombozi. C'est Dieu lui-même qui nous a rachetés. Ni Mungu mwenyewe ndio anakuja. Voulez-vous l'adorer? Mnapenda kumabudu? C'est pourquoi il est tant adoré. Toko mana nabudiwa kabisa. Il ne faut pas séparer Jésus de Dieu. Hakuna namune apart na kutenganisha Yesu na Mungu. Yesu. Hakika. Il était un homme. Alikuwa mwanadamu. Son corps était créé. Mwili yake liumbiwaka. Il n'est pas né comme nous tous. Lakini sikuzaliwa kama sisi wote. C'était une naissance virginale. Ilikuwa ni kuzaliwa kupitia ubikira.
Hapana kupitia tendo ya ndoa. Sang qui était dans les veines. Damu ile ilikuwaka mwili ya Yesu. Ni damu ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. C'est quel sang qui nous a sauvés? Ni damu kanilitokoa. Sang de Dieu. Damu ya Mungu mwenyewe. Hallelujah. 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 Adorons le Seigneur. Tumwabudu Bwana. De gloire en gloire, il te transforme, il te transforme, il te transforme à sa ressemblance dans son image parfaite. L'amour de Dieu révèle au monde, car il me transforme, il me transforme, des choses terrestres aux choses célestes, à sa ressemblance dans son image parfaite.
sont ici. Il y a notre frère Jérémy Kazadi. Préparez quelque chose, préparez quelque papier. Préparez un papier. Préparez un papier. Suivez la requête. Il demande la prière des saints pour que Dieu entre en scène afin que l'on libère son véhicule, dans le véhicule qui transporte sa marchandise. Ce véhicule était arrêté depuis mardi et transféré ici à Lubumbashi. Il dit il a foi à nos prières. Allons devant le Seigneur avec cette requête. Pour que nous, nous soyons la justice de Dieu. Tu avais été meurtri dans ta chair et par tes mêmes blessures, nous sommes déjà guéris. Te disons merci pour l'œuvre du calvaire. Merci pour ce précieux message. Merci pour la révélation de tous ces mystères. Merci pour la révélation de notre position en tant que fils et filles de Dieu. Merci pour la restauration de la divinité à l'homme. Fais-nous prendre conscience que nous marchions avec une ferme assurance tout en sachant que nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes maintenant même, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand cela sera manifesté, nous serons semblables à toi, Seigneur. Nous voici avec cette requête de notre frère Jérémy Kazadi. Il
demande la prière des saints. Nous avons élevé nos voix comme un seul homme pour que tu interviennes, tu entres en scène afin que le véhicule qui transporte sa marchandise soit libéré, Seigneur, afin que ton fils récupère sa marchandise. Nous croyons que tu es notre avocat auprès du Père. Entre en scène pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie et que notre joie soit parfaite. Nous avons prié ainsi avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Les diacres vont avancer. Washemasi wanaweza karibia avec les